les prendre, puis il faut toutes les saisir. Puis ben, la rencontre aujourd'hui, ça vient du cœur. Puis c'est juste pour nous autres d'être ensemble, puis d'en profiter, puis de s'amuser, puis de se parler un peu. Alors, c'est surtout aussi pour vous rendre hommage à Pop Piva. On est tellement contents pour vous avoir écoutés. Oui, surtout. On est contents pour vous avoir écoutés. Surtout, on est contents aussi de vous avoir surpris, parce que vous êtes toujours là, organisé tout, puis à minute. Puis là, ben, comme on en parle souvent, c'est temps de lâcher prise un petit peu, puis de se laisser aller. Fait qu'on est contents de vous surprendre de ce côté-là. Fait qu'on vous amène plein de surprises aujourd'hui, puis encore là, ça vient du cœur, puis c'est beaucoup d'amour. On vous aime bien. D'avoir un thème. Je pense qu'un thème, c'est rassembleur. Le thème pour l'événement cet après-midi, là, c'est l'importance de l'amour de la famille et des enfants. Je pense que ça, c'est à peu près probablement les objectifs que vous vous êtes donnés. Peut-être, c'est peut-être flou, mais dans votre cœur, c'était ça que vous vouliez vraiment, l'amour, la famille et les enfants. D'ailleurs, on voit que ça a bien réussi. Alors, ces trois réalités-là, ça représente, je pense, les valeurs qui vous sont chères. Puis, soit aussi le rappel de leur amour. Avec leurs mains et leur cœur, ces époux ont bâti une vie d'amour et de fidélité. J'avais aussi une belle maison intérieure. Au nom du Christ qui nous rassemble, je vais bénir ses mains et aussi ses alliances. Seigneur, vois ses mains et ses alliances. Au jour du mariage, tu l'as béni. Mains qui caressent et qui bercent, en signe de ta tendresse, mains du travail et de l'amitié, qui nous disent ta générosité. Elle porte les anneaux de l'Alliance qui nous rappelle aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles sont servies. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de bien difficile à faire. C'est... Oui.
Acharné, quelques jours de congé. Et cela recommence, telle est la romance. Voilà ce que j'ai trouvé de mieux pour qualifier nos deux fêtés. Fly in, fly out. Ils sont sûrement pétris à cette pâte. Pensez-y bien, 50 ans de va-et-vient. On aurait dû grossir nos mises au sortir de l'église le 3 juin 1967. Parier que aurait la recette pour une amoureuse vie à deux qui durerait grâce au bienveillant Dieu. Les planètes étaient bien alignées. Louisette et Michel y ont grandement collaboré. Et nous voici au 3 juin 2017. 50 ans plus tard, quelle épopée discrète! L'arrivée des bébés Marjolaine et Martin a à peine ralenti leur course, leur chemin. Bon, quelques petits ajustements. Allez, suivez les enfants! On sort à gauche, on sort à droite. Non, la vie n'est pas plate.
Place Patnaud, rue Cadillac, rue Aigle, rue Arcan, ils en ont fait tout un boucan. On va walker à l'exercice chez Madame Paquet. Peu importe que ce soit le soir ou le matin, la chorale, les concerts, les cours de discussion, Marjolaine et Martin dans le tourbillon. Ah, rien n'arrête donc ces hudons côtés. Regardez-les donc aller. Si s'amuser, sortir, avoir du plaisir, profiter de la vie, éloigner les jours gris, sont des objectifs bien ancrés. Leur grande générosité les rend très présents à un grand nombre d'événements. Ils aident à gauche, à droite, de toutes parts. Ils ne ménagent pas leurs efforts. Déménagent celui-ci, dépannent celle-là. Ce sont de vrais bras droits. Ils rendent service plus souvent qu'à leur tour. Ils visitent, soignent, consolent, hébergent, téléphonent et encouragent avec amour. Ils sont même liquidateurs testamentaires. Ça, c'est toute une affaire. Donc, nous sommes ici pour fêter votre 50e anniversaire de mariage. Qui l'eût cru? Hélas, cela trahit nos âges. Je sais bien que le temps passe vite et que la vie nous hante. Êtes-vous sûr du 50? Mais à voir tout ce que Michel et Louisette ont accompli et vécu, c'est plutôt à 75 années de vie commune que j'aurais cru. Ah ah, ne vous méprenez pas, c'est là un compliment. Qui, comme eux, vivent aussi intensément? Car, comme pas d'autres, leur vie durant, ils ont pratiqué l'art du double emploi. Vous les croyez ici? Et c'est là-bas qu'ils se déploient. Être ici et ailleurs en même temps, aurait-il le don d'ubiquité? Ils ont acquis l'art de multiplier les heures dans une journée. Voici quelques exemples de cette surconsommation du temps. Une soirée de danse suivie d'une petite visite à l'école. Quelques heures à la danse précédées d'un petit tour au casino. Dans la même journée de Noël, déjeuner chez Martin à Montréal et souper à Inverness. Filer vers Old Orchard pour 2 jours et passer le reste des vacances ailleurs. Diviser le samedi soir en 2. Aller à un premier party de 7 à 10 et à un deuxième de 11 à minuit. Assister au mariage d'Annick à Québec dans l'après-midi et repartir tôt pour aller repeindre le loyer. Et bien d'autres exemples pourraient être encore énumérés. Plusieurs ici présents pourraient en témoigner. She loves singing fine, with which she understands. Teardrops and laughter, they're walking through and then. She's good-hearted woman, love with the sky. Yeah.
Ben moi, il n'y a pas, puis tu t'en parles même, faire un café, puis ils ont gardé le hall, puis ils ont mis un nom. Là, ils ont sorti de fusil, puis moi, le balai va partir avec eux autres, de me prendre une bouchée, puis de la tabernette pour mon père. Là, on est allé tirer sur leur mort. Pour donner raison, ils l'ont pas poigné. Je ne sais pas si c'est le coup de fusil qui avait peur. Vous êtes, quand vous êtes arrivé à la maison, ça s'est montré à la tête, puis là, elle est arrivée. Je pense que ça a commencé son affaire. Elle a grandi. Là, après des années après, là, elle était aux études, puis tout ça. Là. Et puis là, plus tard, elle a rencontré Michel. Pas parce qu'elle lui trouvait beau. Hein, de quoi. Je ne sais pas si le bacon tient au bonheur de ses œufs, mais ils ont l'air à se plaindre. Quand ils arrivent de la ville, là Michel, il a ses beaux souliers, le brun. Là, il sort ses bottes de rabat, puis sa belle petite calotte, puis là, tu le vois arriver dans l'arrière de la maison. Là, il marche vite, mais un peu pas. Et quand t'as besoin, il est toujours prêt à rendre service. C'est comme ça qu'on aime bien nos voisins. Au séminaire dans la Beauce, Saint-Victor-de-Beauce. Et là, ben, il pensait un peu à sa vocation future, alors il cherchait, il réfléchissait. Et puis, il était parti sans trop savoir comment encore, quel serait son choix. Mais quelques années plus tard, je me souviens bien qu'il me racontait ses sorties avec deux, trois filles, trois, quatre filles, des rendez-vous donnés le même soir. Alors j'ai vite compris qu'il n'était pas fait pour le célibat. Et je pense qu'il a fait un bon choix en rencontrant Louisette, à qui je souhaite aussi pour ce 25e anniversaire de très bons vœux. Et au nom de mes frères et sœurs, au nom également des neveux et nièces de la famille Hudon, et aussi en souvenir de papa et maman, j'aimerais souhaiter à Michel et Louisette encore de nombreuses années de vie de couple en progression, en cheminement, parce que je pense que la vie nous amène à des croissances constantes, et aussi pour que les deux jeunes qui sont nés de ce couple bien progressent dans leur choix de carrière et leur vie pour des années futures, pour surtout l'an 2000.